Alors, je voulais remercier le Mouji pour l'accompagnement qu'on a eu en tant qu'entrepreneur au tout début de la société, donc avec Trustfolio, pour vous expliquer en fait ce que le Mouji, c'est il y a pas mal de programmes d'entrepreneurs qui existent, qui sont vraiment orientés plus coaching, business, etc. Rapidement, dans l'aventure Trustfolio, on a senti qu'on avait besoin d'un accompagnement qui était plus centré sur l'humain, parce que en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi une aventure humaine avec à la fois les relations entre associés, à la fois les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, on a trouvé au sein du Mouji, du coup, un mentor qui a été hyper bienveillant et qui a été en mesure de nous donner un peu des clés de lecture pour arriver à surmonter cette aventure humaine qu'est l'entrepreneuriat. Donc, on a été accompagné par Benoît Volatier pendant une année et avec lui, on a traité pas mal de sujets différents. On a avancé sur comment on arrive à travailler en période de fort stress, comment on arrive à gérer les relations entre associés, comment on arrive à gérer des relations humaines avec ses clients, ses fournisseurs. Donc, autant de questions que voilà qu'on a tendance un peu à sous-estimer au début, et puis du coup qui ont été hyper utiles pour poser les fondamentaux de la société, pouvoir recruter du monde avec des valeurs qui nous correspondaient aussi. Donc voilà, je voulais vraiment remercier le Mouji parce que c'est un programme qui est différenciant dans tout ce qu'on a l'habitude de connaître et qui apporte une énorme plus-value humaine. Et au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui fait la force de Trustfolio, c'est vraiment nos valeurs et l'équipe. Donc du coup, un grand merci au Mouji pour ce programme qui est en plein énergie. Et la dernière chose que je trouve géniale, c'est que là, ça fait quand même maintenant quelques années qu'on a terminé le programme et on est toujours hyper impliqué dans la communauté. Donc, ça fait plaisir de construire des relations dans la durée et que le programme, ça soit pas simplement quelque chose de court terme.